Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Pebota Naval, le nouveau monde multi-pirate, duel de pirates et tout ce bordel. Pourquoi? Parce qu'un nouveau champion vient de sortir. Le nouveau UR vient de sortir sur le jeu. C'est bam bam Jimbe Hildoni, Jimbe Onigashima, du coup Jimbe Oni tout simplement. Jimbe Oni qui n'est pas Shichibukai cette fois-ci, mais qui est pirate, du coup pirate UR 5 étoiles. Guerrier, level 280, une attaque à 22294, des PV à 200150, une défense à 1849 et une vitesse à 1687. Ok, du coup voilà, nouveau Jinbei qui est arrivé sur le jeu. L'ancien était Shichibukai, hein, je le rappelle. L'ancien était Shichibukai, qui était très bon, qui était un très bon mono-cible, on va dire. Après, très bon, en soi en PVP, c'était pas fou, mais en PVE, c'était fort. Et lui, du coup, un nouveau Jinbei qui est arrivé, Hildoni, avec sa nouvelle tenue d'Onigashima. On va lire les compétences, c'est parti. Cette fois aussi, je vais faire en sorte de traduire cette vidéo en anglais et mettre les stats, les compétences aussi en anglais. Du coup, il y aura les compétences en français et en anglais sur la vidéo maintenant pour que les personnes autres que français puissent comprendre la vidéo, tout simplement. Ok, c'est parti, première compétence. Kalyu Ippon Zeoi. Jinbe Hildoni lance un courant marin d'une main causant 269% de dégâts à unité avant. Si les PV de la cible de compétence sont inférieurs à 40%, augmentera les dégâts de cette compétence de 15%. Si les PV de la cible de compétence sont supérieurs à 60%, absorbe 10% des PV de la cible, ne peut pas dépasser deux fois la puissance d'attaque de Jinbe. 50% de base de maîtriserie sur les cibles de compétence pendant un tour. Régénère ses PV à hauteur de 10% de ses PV max. 60% de chance fixe de dissiper tout les effets négatifs d'une unité contrôlée de son propre camp, 70% de chance fixe d'obtenir une couche de Atemi. Atemi qui met que réduction de dégâts augmente de 4% jusqu'à 10% dure jusqu'à sa consommation, elle ne peut pas être dissipée. Ok, il stack de la réduction de dégâts. Du coup voilà, c'est une attaque qui cause 269% de dégâts à une unité avant, du coup à la personne devant. Si les PV de la cible sont inférieurs à 40%, augmente les dégâts de cette compétence. Du coup moins la personne aura de PV, plus les dégâts de Jinbe vont être puissants. Par contre, si les PV de la cible de compétence sont supérieurs à 60%, absorbe 10% des PV max de la cible. Du coup, il va voler des PV max de la cible. Ok, pas mal. Ne peut pas dépasser deux fois la puissance d'attaque des Jinbei. 50% de chance de mettre Airi sur la cible pendant un tour. Régénère ses PV à hauteur de 10% de ses PV max. Et il se régénère quoi qu'il se passe. 10% de ses PV max, ok. 60% de chance fixe de dissiper tous les effets négatifs de un de ses alliés. Et 70% de chance de fixe d'obtenir une couche de Atemi qui augmente du coup la réduction de dégâts de 4% jusqu'à 10 charges. Et il peut le cumuler 10 fois. Et ça ne peut pas être dissipé. Et ça dure jusqu'à consommation. Du coup, ça va être un truc qui va consommer plus tard, mais ça on verra. Du coup, SP4. Il cause 289% de dégâts à unité avant. Si les PV de la cible de compétence sont inférieurs à 70%, augmentera les dégâts de cette compétence de 25%. Ok. Si les PV de la cible de compétence sont supérieurs à 30%, absorbe 15% des PV max de la cible, ne peut pas dépasser 3 fois la puissance d'attaque de Jinbei. 80% de chance de base de mettre Airi sur les cibles touchées par la compétence. Régénère ses PV à hauteur de 15% de ses PV max. 100% de chance fixe de dissiper tous les effets négatifs d'une unité contrôlée par de son propre camp, ça c'est cool. 100% de chance fixe de d'obtenir Atemi, du coup qui augmente sa réduction de dégâts. Ok. La première compétence qui a un gros dégât mono-cible, qui fait plus de dégâts si la personne a moins de PV. Si la personne a plus de PV, du coup il lui vole des PV, en gros. Vol de vie. Il a 80% de chance de mettre Airi sur la personne pendant un tour et se régénère quoi qu'il se passe. Il dissipe les effets négatifs de unité de ta team et il se met Atemi qui augmente sa réduction de dégâts. Ok, deuxième compétence du coup, chevaleresque, compétence passive. Jinbe Hildoni est un homme chevaleresque et il est le seul roi qui n'aide pas à faire face aux pirates de Barbe Blanche lors de la convocation forcée du quartier général de la marine. Wow. Attaque augmenté de 45%, PV augmenté de 20%, taux de coup crit augmenté de 20%, réduction de dégâts crit augmenté de 10%. Chaque fois qu'il empile 10 couches de Atemi, augmente immédiatement sa résistance à l'effet de 40% dur de tour. Là, c'est le passif que tout le monde a, sauf que lui, ça lui augmente l'attaque, les PV, le taux critique et la réduction de dégâts crit. Chaque fois qu'il empile 10 couches de Atemi, du coup, ce qu'il gagne avec la première compétence et sûrement avec la deuxième, il augmente immédiatement sa résistance à l'effet. Du coup, son résistance contrôle est augmentée de 40%. Ça,
Ça c'est cool. Bah c'est cool, c'est pas mal. En vrai c'est vraiment pas mal. Ça c'était SP1. Du coup SP4, son attaque augmente de 45%, ses PV augmente de 25%, son taux critique de 25%, sa réduction de dégâts crit de 30%. Chaque fois qu'il empile 10 couches de ATMI, augmente immédiatement sa résistance à l'effet et celle d'une unité alliée aléatoire de 80%. Ok, du coup ça augmente sa résistance à l'effet à lui, quoi qu'il se passe, et cette unité alliée à 80%. 80% de résistance contrôle, c'est fou, c'est incroyable. D'une durée de 2 tours en plus. Au début de son tour, s'il porte 10 couches de ATMI, 100% de chance fixe de dissiper immédiatement tous ses effets négatifs. S'il a 10 couches d'ATMI, et ben putain. Ok, vraiment pas mal. On va lire sa troisième compétence, du coup, Ugi Bourrican. Bon, je l'ai dit en français, je sais pas comment se dit en jap, my bad. Jimmy Uldoni prend une boule d'eau dans sa paume et fait un impact puissant causant 384% de dégâts à l'unité ennemie avec le ratio de PV le plus bas. S'il touche la cible au premier rang, elle ignore 30% de sa réduction de dégâts. S'ajoute Karate Ugi 2. On verra après. Absorbe 10% du taux de coup critique de la cible de compétence dure 2 tours. Ignorant l'immunité négative ne peut pas être dissipée. Ah bah c'est ça en fait. Karate Ugi qui absorbe 10% du taux critique de la cible dure 2 tours. Ignorant l'immunité aux dégâts ne peut pas être dissipée. Si les PV de la cible principale sont inférieurs à 60%, il causera des dégâts supplémentaires de 150% de l'attaque actuelle, inflige 45% de dégâts d'éclaboussure aux autres unités. Ok. Consomme tous ses ATMI pour ajouter blessure sombre à la cible de compétence. Inflige des dégâts égaux à 100% de la puissance d'attaque de Jinbei Hildoni. Et s'ajoute blessure sombre chaque fois que vous consommez une couche de ATMI. Augmente les dégâts de 20% dure de tour, l'ignore l'effet, l'immunité négative ne peut pas être dissipée. Blessure sombre, du coup, ça inflige des dégâts égaux à 100% de la puissance d'attaque de Jinbei et augmente les dégâts de 20% pour chaque couche de ATMI consommée lors de l'ajout de blessure sombre. Ah, en gros, dès qu'il a 10 couches d'ATMI, ça se transforme en blessure sombre sur la personne touchée du coup par cette compétence. Du coup, ça va infliger des dégâts égaux à 100% de la puissance d'attaque sur Hildoni. Ça dure 2 tours, j'ai l'impression. C'est un truc qui dure 2 tours, c'est un passif qui dure 2 tours. C'est genre un petit saignement, mais qui est puissant. Et à chaque fois qu'il va se rajouter des couches, le pourcentage va augmenter de 20%. Dure 2 tours, ignorant l'immunité négative, ne peut pas être dissipée. Eh bien, ok. Ok, bah c'est vraiment pas mal. Du coup, c'est un finisher, vu qu'il va taper la personne avec les PV le plus bas. S'il touche la cible au premier rang, si c'est une personne de devant, elle ignore 30% de sa réduction de dégâts. Vu que c'est souvent des tanks qui sont devant, c'est pour ça. Il s'ajoute Karate Ogi, du coup qui absorbe 10% du taux critique de la cible pendant 2 tours. Si les PV de la cible principale sont inférieurs à 60%, il causera des dégâts supplémentaires de 150%. Du coup, c'est vraiment un finisher. De l'attaque actuelle, inflige 45% de dégâts d'éclaboussure aux autres ennemis, par contre. Si seulement si l'éclaboussure fonctionne, si et seulement si les PV de la cible sont inférieurs à 160%, je pense. Consomme tous ses ATMI pour ajouter blessure sombre à la cible, inflige des dégâts égaux à 100% de la puissance d'attaque de Jinbei, Hildoni, et s'ajoute blessure sombre à chaque fois que vous consommez une couche de ATMI, augmente les dégâts de 20%, tour de tour, ignore l'effet, nanani nanana. Ok, on va lire SP4. Du coup, il cause 404% de dégâts à l'unité ennemie avec les ratios de PV les plus bas. S'il touche la cible au premier rang, elle ignore 60% de sa réduction de dégâts. 100% de chance fixe de dissiper tous les effets bénéfiques de la cible de compétence, du coup d'enlever tous les bonus. 100% de chance fixe, ok. S'ajoute Karate Ugi 3, absorbe 30% du taux critique de la cible de compétence d'une durée de 2 tours, ignorant l'immunité négative, ne peut pas être dissipée. Si vous n'avez pas compris, absorbe 30%, ça veut dire qu'il va piquer 30% des taux critiques de la cible, et en gros, ça veut dire que ça va augmenter le taux critique sur soi-même. Et du coup, la personne en face aura moins de taux critique. Si les PV de la cible principale sont inférieurs à 70%, il causera des dégâts supplémentaires de 250% de l'attaque actuelle, inflige 75% de dégâts d'éclaboussure aux autres unités, ok. Consomme tous ses ATMI pour s'ajouter blessure sombre à la cible de compétence, inflige des dégâts égaux à 100% de la puissance d'attaque de Jinbei, Hildoni, ajoute blessure sombre chaque fois que vous consommez une couche d'ATMI. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Augmente les dégâts de 20% dure de tour. Ignore l'immunité négative ne peut pas être dissipée. Chaque fois qu'il consomme une couche d'ATMI, obtient 5% de réduction de dégâts dure un tour, ne peut pas être dissipée. Chaque compétence consomme 10 couches d'ATMI et relâche à nouveau cette compétence. Incompris. Ok, j'ai mal compris un truc. Juste que du coup, il consomme tous ses ATMI, peu importe s'il en a 10 ou pas.
Et il va ajouter blessure sombre à la personne. Et en gros, ça inflige des dégâts égaux à 100% de la puissance d'attaque de Jinbei. Blessure sombre, quoi qu'il se passe. Et ça va augmenter les dégâts de 20% pour chaque couche de la témible dépensée. Du coup, en gros, s'il avait 10 couches et qu'il dépense les 10 couches, il va faire 200% de dégâts en plus. C'est ça. En plus des 100. Du coup, voilà, j'avais mal compris. C'est en gros, il a 100. Il a 100 de base. Puis après, en gros, il ajoute plus 20 par rapport à ce qu'il a dépensé et pas par rapport à ce qu'il va avoir. Chaque fois qu'il consomme une couche d'Atemi, il obtient 5% de réduction des dégâts durant un tour, ne peut pas être dissipé. Si la compétence consomme 10 couches d'Atemi et relâche à nouveau cette compétence. Ah, si la compétence consomme 10 couches d'Atemi, ça relâche à nouveau cette compétence. Mais laquelle compétence? J'ai pas compris la fin. Il y a un bug avec la fin. Je vais lire en anglais peut-être ça va être mieux. Mais il y a un bug avec la fin. Gros dégâts mono cible qui fait des dégâts d'éclaboussure et qui fait plus de dégâts si la personne est devant, si la personne a moins de PV, ça vole le taux critique et ça rajoute blessure sombre pour faire encore plus de dégâts à la personne. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Gyojin Karate Ugi, dernière compétence, du coup, un dernier passif de Jinbei. Le Gyojin Karate est unique au Gyojin. Et il a la capacité de manipuler l'eau dans une certaine mesure. Lorsqu'il entre dans la bataille, obtient Matelot 2. Augmente le bonus de dégâts de 20%, le taux critique de 15%, la réduction de dégâts de 15%, et les dégâts de Ugi Burakan de 20% durant jusqu'à la fin de la bataille, il ne peut pas être dissipé. Ugi Burakan qui est le T2 normalement. Qui est bien le T2. Ouais. Lorsqu'il est attaqué, 70% de chance de gagner une couche de Atemi. Ok, lorsqu'il se fait attaquer. Si les dégâts reçus dépassent 45% de CPV max ou que CPV s'enferme à 30%, récupère immédiatement des PV égaux à 15% des PV max et gagne une couche supplémentaire de Atemi, qui peut être déclenchée jusqu'à 2 fois par tour. 2 fois par tour? C'est fou. Ok. Lorsqu'il subit des dégâts mortels, ne meurt pas, il restaure 30% en plus de ses PV max et obtient 10% de bonus de dégâts de réduction de dégâts durant un tour, ne peut pas être dissipé et se déclenche une fois par bataille. Pendant la bataille, chaque fois qu'il gagne une couche d'Atemi, augmente de manière permanente sa puissance d'attaque de 1,5% jusqu'à 30 couches, ne peut pas être dissipé. Mais attends, mais il gagne tellement de trucs le Jinbei, c'est n'importe quoi, j'ai envie de lire SP4 directement. Lorsqu'il entre dans la bataille, il gagne Matelot 3, augmente le bonus de dégâts de 30%, le taux critique de 20%, la réduction de dégâts de 20%, et les dégâts de Ugin Burakan de 30%, jusqu'à la fin de la bataille, ne peut pas être dissipé. Lors du premier tour, les dégâts individuels qu'il subit ne dépasseront pas 40% de ses PV max. Ok, à chaque fois qu'il va se prendre un dégât, bah, il peut pas se faire one shot par une personne quoi. A chaque fois qu'il va prendre des dégâts, ça ne peut pas dépasser 40% de ses PV max. Lorsqu'il est attaqué, 100% de chance de gagner une couche de Atemi. Si les dégâts reçus dépassent 35% de ses PV max, ou que ses PV sont inférieurs à 50%, récupère immédiatement des PV égaux à 35% des PV max et gagne 2 couches supplémentaires d'Atemi qui peut être déclenchées jusqu'à 2 fois par tour. Deux fois, c'est fou ça, ce petit passif. Hein. Il va être dur à tuer ce bâtard. A plus avec un Marco ou avec une Uta avec un... Oh non, ça va être n'importe quoi. Lorsqu'il subit des dégâts mortels, ne meurt pas, dissipe tous les états négatifs, restaure 40% de ses PV max et obtient 20% de bonus de dégâts et réduction des dégâts durant un tour. Ne peut pas être dissipé, se déclenche jusqu'à 2 fois par bataille, peut être déclenché jusqu'à 1 fois par tour au début de la bataille. Gagne 5 couches de Atemi pendant la bataille. Chaque fois qu'il gagne une couche de Atemi, augmente de manière permanente sa puissance d'attaque de 2% jusqu'à 30 couches, ne peut pas être dissipé. Jusqu'à 30 couches, il peut augmenter 60% du coup sa puissance d'attaque. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Au début de la bataille, il gagne 5 couches d'Atemi. Du coup, il rentre direct dans la bataille avec 5 couches d'Atemi. Et à chaque fois qu'il gagne une couche, ça augmente de manière permanente son attaque. C'est fou quand même. Ça, c'est fou. Son dernier passif est fou. On va pas se mentir, son dernier passif est fou. On va juste faire un récapitulatif vite fait de ses compétences. Du coup, en SP4. Première compétence, du coup, qui est une attaque mono-cible, qui fait plus de dégâts si la personne a moins de PV. Et si la personne a plus de PV, ça va lui voler des PV, tout simplement. 80% de chance de mettre une raillerie sur la personne touchée. Régénère ses PV à hauteur de 15% de ses PV max. Quoi qu'il se passe, il se heal avec cette compétence. 100% de chance fixe de dissiper tous les effets négatifs d'une unité contrôlée de son propre camp. Du coup, ça va enlever tous les effets négatifs d'une personne de ton camp. Et 100% de chance fixe d'obtenir une couche de Atemi. Du coup, il s'ajoute une couche de Atemi qui lui augmente du coup sa réduction de dégâts de 4% jusqu'à 10 couches. Deuxième compétence, le passif qui du coup lui augmente son attaque, son taux critique, ses PV, sa réduction de dégâts crit. Chaque fois qu'il empile 10 couches d'Atemi, augmente immédiatement sa résistance à l'effet et celle d'une unité alliée aléatoire de 80%. Ça
Ça, c'est fou aussi. D'une durée de 2 tours. Au début de son tour, s'il porte 10 couches de Atemi, 100% de chance fixe de dissiper immédiatement tous ses effets négatifs. Aussi. Ok. Ok, ok. Du coup, il peut dissiper tous ses effets négatifs au début du tour s'il a 10 couches d'Atemi. Et troisième compétence, du coup, le T2. C'est une grosse attaque mono-cible aussi. Avec... Mais ça focus la personne avec le moins de PV. Voilà, c'est un finisher. S'il tombe sur... Si la cible touchée est une personne qui est devant, du coup, il fera plus de dégâts. Parce qu'elle va ignorer 60% de la réduction de dégâts de la cible. 100% de chance fixe de dissiper tous les effets bénéfiques de la cible, d'enlever tous les bonus de la cible. S'ajoute Karaté ou Gi, ce qui fait qu'il va absorber 30% du taux critique de la cible pendant 2 tours. Si le PV de la fible sera inférieur à 70%, causera plus de dégâts et il fera 75% de dégâts d'éclaboussure quoi qu'il se passe ou si la personne est inférieure. Je sais pas, ça j'ai toujours pas compris. Consomme tous ses Atemi pour ajouter blessure sombre à la cible. Ça inflige des dégâts égaux à 100% de la puissance d'attaque de Jinbe et ajoute blessure sombre à chaque fois que vous consommez une couche de Atemi. Du coup, c'est à dire que blessure sombre ça inflige 100% de dégâts d'attaque de Jinbe. C'est genre un saignement, j'ai l'impression. Et plus tu auras de couches d'Atemi, plus tu rajouteras aussi de couches à blessure sombre. Tu as 100 minimum, et après, par rapport à tes couches, une couche égale 20%. Du coup, vu que tu peux avoir jusqu'à 10 couches, tu peux aller jusqu'à 200% en plus. Et ça dure 2 tours, ne peut pas être dissipé. Chaque fois qu'il consomme une couche d'Atemi, obtient 5% de réduction de dégâts, dure 1 tour, ne peut pas être dissipé. Si la compétence consomme 10 couches d'Atemi, ça relâche à nouveau cette compétence. Mais quelle compétence, ça je sais toujours pas, on regardera après. La dernière compétence, du coup le dernier passif, il obtient Matelot au début de la bataille qui va lui augmenter les dégâts, son taux critique, sa réduction de dégâts et les dégâts de Huging Burakai, du Burakan, du coup son T2, jusqu'à la fin de la bataille, ne peut pas être dissipé. Lors du premier tour, les dégâts individuels qu'il subit ne dépasseront pas 40% de ses PV max, il ne peut pas se faire one shot par une personne. Lorsqu'il est attaqué, 100% de chance de s'ajouter une couche d'Atemi. Si les dégâts reçus dépassent 35% de ses PV max ou que ses PV sont inférieurs à 50%, il récupère immédiatement des PV égaux à 35% de ses PV max et gagne 2 couches supplémentaires de Atemi qui peut déclencher jusqu'à 2 fois par tour. Ça, c'est ultra puissant, ça c'est fou. Lorsqu'il subit des dégâts mortels, ne meurt pas, dissipe tous ses états négatifs, restaure 40% de ses PV max et obtient 20% de bonus de dégâts et de réduction de dégâts sur un tour. Ne peut pas dissiper, se déclenche 2 fois par bataille. Peut être déclenché jusqu'à une fois par tour. Ah, c'est 2 fois par bataille, une fois par tour. Ça, j'avais oublié. Ça m'avait pas tilt quand je l'avais lu. Au début de la bataille, gagne 5 couches d'Atemi. Pendant la bataille, chaque fois qu'il gagne une couche d'Atemi, augmente de manière permanente sa puissance d'attaque de 2% jusqu'à 30 couches. Voilà. Voilà. On va juste voir, juste vous montrer, hop, qu'est-ce qu'il faut pour monter, mais comme d'hab, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il faut pour monter le petit Jinbe, mon petit UR. Oh, son image elle est stylée, je l'aime bien son petit artwork. 2 Jinbe plus 1 6 étoiles. Juste, je vais passer en anglais voir un peu c'est quoi la traduction. Et en gros, c'est marqué can be purge. Release the skill again if you cost exactly 10 level of durability. Du coup, c'est le truc qu'on a en français qui s'appelle. Merde, je sais plus le nom. Je sais plus le nom en français. Mais en gros, aussi, là, les 10 marques là qui stack là. J'ai oublié le nom. J'étais en train de le faire, j'ai oublié le nom. S'il a Eddie Mark, j'ai l'impression qu'il peut relancer la compétence en fait. C'est juste, il relance la compétence, il combo la compétence. Juste, il combo la compétence, c'est trop fort. S'il a Eddie Mark, il combo la compétence. Du coup, il peut recombo, il peut lancer 3 fois la compétence vu que c'est pas considéré comme un combo. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, si vraiment c'est un combo de la compétence, il peut relancer la compétence, c'est trop fort. Du coup, voilà les gens, c'était une petite vidéo sur Jinbe, sur la présentation de Jinbe comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, si vous ouvrez sur lui, à m'envoyer les packs pour la YouTube Monnaie. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.